98 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de francs CFA. Voilà la valeur des exportations non traditionnelles du Ghana en Côte d'Ivoire pour l'année 2012. Le signe que les relations commerciales entre les deux pays se portent bien. Bonne nouvelle donc, mais les autorités ne comptent pas s'en contenter. Elles envisagent renforcer davantage ces liens économiques et politiques. Le gouvernement ghanéen, par le biais de son ministère du Commerce et de l'Industrie, organise une exposition de produits ghanéens en Côte d'Ivoire, la deuxième du genre. Il existe des liens naturels, culturels et historiques de parenté et d'amitié qui existent entre les peuples de Côte d'Ivoire et ceux du Ghana. Nous nous efforçons de faire de l'exposition solo de produits fabriqués au Ghana un événement annuel. Et cela a pour objectif de servir de plateforme appropriée pour accroître les contacts et améliorer la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays. Cette année, 40 entreprises et industriels ghanéens sont attendus pour exposer. Ils représentent plusieurs secteurs, notamment les produits ménagers et industriels en plastique, les équipements lourds de construction, le matériel pédagogique et les produits de l'artisanat. Cette deuxième édition donc de la Foire des produits ghanéens est prévue dans deux semaines, du 18 au 26 novembre prochain, à la Questab, au plateau.